Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon top 10 de parfums à porter cet été. Ce sont vraiment des parfums qui généralement plaisent à tout le monde. Si vous les portez, vous allez avoir quand même pas mal de compliments. Croyez-moi, ce sont vraiment des parfums très faciles à porter, très faciles à adopter pour la vie de tous les jours, spécialement quand il fait chaud. Première fragrance que je vous ai sélectionnée, c'est Soleil Blanc de Tom Ford, concentration haut de parfum. C'est une fragrance qui fait partie de la Private Blend, donc à savoir la collection privée de Tom Ford. Vous êtes vraiment sur des fleurs blanches qui sont chauffées au soleil. Le tout est arrondi par la noix de coco. C'est véritablement le parfum typique des vacances qui fait un petit peu penser à l'odeur de la crème solaire. Si vous recherchez un dupe qui soit proposé à un meilleur prix, j'aurais tendance à vous dire de vous diriger vers Bronze Goddess d'Estée Lauder, plutôt la version eau fraîche. Sincèrement, d'après moi, c'est vraiment très similaire. C'est un parfum qui vous transporte directement en vacances, mais plutôt sur les plages assez luxueuses. Vous êtes aussi sur une odeur de peau chauffée au soleil. Soleil Blanc de Tom Ford, c'est un ambré floral qui a été lancé en 2016, qui a été créé par Nathalie Garcia-Seto. Dans la composition, vous retrouvez de la pistache, bergamote, cardamome, poivre rose, tubéreuse, ylang-ylang, jasmin, noix de coco, ambre, fève tonka et benjoin. Selon Tom Ford, sa collection privée est destinée aux fins connaisseurs de parfums. Private Blend, c'est mon laboratoire de parfums, explique Tom Ford. C'est le lieu où je peux créer des fragrances originales, uniques et libérées des conventions usuelles de la parfumerie. Private Blend a été élaboré en pensant aux vrais amateurs de parfums. Cependant, je trouve personnellement que Soleil Blanc, c'est l'un des parfums qui est vraiment assez facile d'accès et très appréciable assez facilement. Donc, pour moi, il ne représente pas vraiment un réel risque. Quand on commence à s'aventurer dans la parfumerie un petit peu plus pointue, c'est selon moi un très bon choix à découvrir. Le flacon, il est typique de la collection privée, donc il est en forme de fiole d'apothicaire. La tenue est plutôt bonne mais sans être trop entêtante. Selon moi, un très très bon basique à avoir dans sa collection. C'est véritablement l'un des parfums valeur sûre que vous pouvez porter chaque été. Ensuite, je vous ai sélectionné Fort Zoé de Nino Amadeo. C'est aussi une concentration haut de parfum. Pour les amoureux de fragrances iodées aquatiques avec une note vanille à l'intérieur, ce parfum-ci, croyez-moi, il va faire votre bonheur. J'aime vraiment beaucoup le contraste entre une note chaude de vanille et des notes plutôt maritimes. Les notes bleues, c'est bien évidemment toujours très tendance en été. C'est typiquement le genre de fragrance que moi je raffole porter en été. C'est pas toujours non plus évident de trouver cette association. Plus de cela, c'est une fragrance qui véhicule une très très belle histoire. Elle a été créée par l'un des fondateurs d'une très très grande maison de parfumerie. Donc forcément, vous savez que d'office, vous allez être sur une fragrance d'une très bonne qualité. Je ne peux que vous la recommander. Fort Zoé de Nino Amadeo, concentration haute parfum. C'est un floral marin qui comprend dans sa composition des notes marines, du jasmin, de la vanille et de la fève tonka. Nino Amadeo, c'est l'un des fondateurs de Réminiscence, très fameuse maison qui met à l'honneur les bijoux et les fragrances aux senteurs 60s et hippie. Tout le monde a bien évidemment en tête le fameux patchouli de Réminiscence. Fort Zoé, c'est un hommage à celle qui fut l'amour de Nino, Zoé Coste. Il l'a rencontrée en faisant une balade en moto à Juan les Pins. C'est un parfum qui représente la French Riviera et le côté azur. Malheureusement aujourd'hui, Zoé n'est plus de ce monde, mais son parfum lui persistera dans le temps. Après le décès de Zoé, Nino a ressenti le besoin de se lancer dans un nouveau projet en créant sa maison en solo, Nino Amadeo. Fort Zoé, c'est donc un parfum qui reflète l'odeur des vacances au bord de la plage à Saint-Barth. C'est une odeur de peau salée chauffée au soleil. La tenue est plutôt bonne, le sillage est présent. Si vous êtes fan du milieu de la parfumerie et que vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Sachez que j'adore parler de mes récents coups de cœur, de mes favoris avec mes abonnés. J'ai aussi vraiment envie de voir que cette chaîne se développe petit à petit, donc un grand merci pour toutes les personnes qui vont me soutenir à travers ma chaîne YouTube. Troisième fragrance, je vous ai sélectionné Immortel de parfum 137/Akimov. C'est une concentration haute parfum. Non seulement je trouve que le storytelling de la maison est vraiment magnifique,
Mais vous savez aussi que je suis fan de Fragrance Combining. C'est typiquement le genre de parfum qui a été conçu pour pouvoir être combiné avec d'autres fragrances. Pour les amateurs de beaux floraux solaires, sachez que cette fragrance-ci, elle est vraiment sublime. En règle générale, quand on parle de parfums solaires plutôt floraux, on va tout de suite penser à tout ce qui est fleurs de frangipanier, hibiscus et ylang ylang. Ici, je trouve que l'immortel, bah, ça change un peu, ça fait plaisir. Pouvoir porter quelque chose d'autre que vraiment les classiques, les typiques de l'été, je trouve que c'est toujours très agréable. On ne pense pas forcément beaucoup à l'immortel. L'immortel est une fleur qui est vraiment très connue en cosmétique, mais en particulier dans tout ce qui est soins visage. Par contre, en parfum, elle n'est pas si utilisée que ça. Donc, bah, je suis très contente de pouvoir mettre cette fleur en avant grâce à cette sublime création de Akimov Parfumerie, parfum 137. Immortel de parfum 137, Akimov, concentration haute parfum. C'est une fragrance qui a été créée par Corinne Cachen et qui comprend dans sa composition du gardenia, fleurs de citronnier, immortel, ylang ylang, mimosa, musc, ambre et bois blanc. Synonyme d'évasion, l'immortel représente l'éternel parce que c'est une fleur qui ne fane jamais. C'est donc une odeur florale et de peau chauffée au soleil en été. Pour la petite histoire, Akimov, c'est une jolie petite boutique de niche à Paris qui allie l'univers de la parfumerie à celui du dessin et de la BD. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, n'hésitez pas parce que c'est une vraie petite pépite. Les parfums 137 ont été conçus pour pouvoir être combinés entre eux. L'idée, c'est que vous puissiez vous individualiser selon vos goûts et vos envies. Akimov, c'est un jeune homme qui recherche à vendre ses parfums à travers le monde. Il part donc en voyage accompagné d'un photographe nommé Felice Beato, qui l'invite très vite au Kodo, une cérémonie de parfums qui se déroule donc dans la capitale impériale Nara. Akimov tombe amoureux d'une jeune apprentie geisha et ils se mettent à brûler des essences rares dans les règles de la tradition. Le but est d'essayer de reconnaître les différentes senteurs. C'est une fragrance que je trouve plutôt fraîche, agréable, mais un petit peu plus sensuelle, l'air de rien. Un parfum très élégant aussi. Bref, penchez-vous vers cette fragrance-ci si vous êtes fan de floraux, je pense que vous ne serez vraiment pas déçu. Ensuite, la fragrance pas prise de tête que j'ai décidé de sélectionner pour cette vidéo-ci, c'est une fragrance de la marque Hollister. Je vous ai sélectionné Wave 2, c'est une concentration haute parfum. Alors, je vous avoue que ce qui me plaît dans cette fragrance-ci, ce sont les composants assez originaux comme le sable et le bois flotté, cette odeur de bois flotté. Avec Wave 2, je voulais pas forcément vous proposer quelque chose d'hyper original ni d'une qualité absolument folle, mais simplement j'avais envie de vous présenter une option assez sympa et un petit peu meilleur prix, histoire de penser un petit peu à tout le monde. C'est un chouette parfum fruité solaire qui fera parfaitement l'affaire, un go-to qui est vraiment sûr. Sans en faire de trop, sans se prendre la tête, un bon passe-partout en somme. Wave 2 de Lister, concentration haute parfum, c'est un floral fruité qui a été lancé en 2017 et qui comprend dans sa composition du nectar de noix de coco, pêche, mandarine, fleur de tiare, nénuphar, fraisia rose, sable, bois flotté et orchidée. C'est jeune, c'est girly, ça reste tendance. C'est typiquement d'après moi le parfum qu'une adolescente pourrait porter en été pour aller voir son crush par exemple. Ça fait un petit peu penser vaguement comme ça à une petite amourette de vacances. Parfum avec une tenue qui est plutôt correcte, mais bon, ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'absolument exceptionnel non plus. Je dirais que pour son prix, c'est un parfum qui est tout de même assez juste, assez agréable. Évidemment, la qualité n'est pas comparable à celle de Tom Ford que je vous ai présenté en premier lieu par exemple. Mais disons que si vous êtes à la recherche d'un petit parfum sympa, sans vouloir dépenser de trop, qui fasse l'affaire, je trouve que c'est une chouette option. Cinquième fragrance, je vous ai sélectionné Aloha Tiare de Comptoir Sud Pacifique. C'est une concentration haute toilette. Mais sachez que bien qu'il s'agisse d'une concentration haute toilette, la tenue est absolument incroyable. Lorsque vous le vaporisez, il y a vraiment une grosse projection directement dès la première vaporisation. Parfois un petit peu trop pour moi, je dois le dire. C'est vraiment pas le genre de parfum qu'il faut vaporiser énormément. Croyez-moi, 2-3 petites vaporisations, ça suffit. Et puis après, la tenue est vraiment très bonne. Le sillage est assez bon. On va dire que la première diffusion est vraiment très forte. Et puis après, ça s'adoucit quelque peu. Mais croyez-moi, la tenue est vraiment dingue. C'est assez incroyable. Je vous ai sélectionné ce parfum-ci parce que, tout d'abord, Comptoir Sud Pacifique.
tout dans cette maison-là vous rappelle les voyages, les vacances. C'est typiquement le genre de marque à laquelle il faut penser si vous cherchez un parfum pour les vacances, pour l'été, très clairement. Vous avez tout d'abord le bleu azur de l'étiquette, le logo de la marque, les senteurs paradisiaques. Et tout cela pour un prix plus qu'abordable, pour une maison plutôt de niche, je trouve que c'est franchement sympa. Aloha Tiare de Comptoir Sud Pacifique, concentration haute toilette, c'est un floral fruité qui a été lancé en 1975. Dans la composition, vous retrouvez du frangipanier, fleur de tiare, ylang-ylang, noix de coco, vanille, benjoin et musc. Végétation tropicale sensuelle et exotique, notes ensoleillées. Comptoir Sud-Pacifique est un hymne au voyage et à l'exploration olfactive. Tout a commencé avec un voyage en Polynésie, d'où l'emblème de la maison en forme de motus, l'île mythique de l'archipel. Si vous adorez le très fameux Monoï de Tahiti de Yves Rocher, sachez qu'ici vous êtes sur la version un petit peu plus luxueuse, donc la grande sœur finalement. Si vous recherchez un Monoï qui soit un petit peu plus qualitatif, parce que j'aime beaucoup la version d'Yves Rocher, mais soyons honnêtes, la tenue n'est pas du tout au rendez-vous, pour quelques euros de plus finalement, parce que croyez-moi, Comptoir Sud Pacifique, c'est pas beaucoup plus cher au final, surtout si vous allez sur Notino par exemple. Eh bien, croyez-moi, vous allez obtenir une qualité vraiment meilleure et ça vaut très clairement le coup de se pencher vers cette maison-ci, très sincèrement. Bref, si vous adorez le Monoï, foncez sur cette fragrance-ci. Pour moi, c'est vraiment le choix à adopter si vous voulez vous transformer en vahiné le temps d'un été. Deuxième fragrance, passons sur quelque chose de peut-être un petit peu moins connu. On va parler d'un parfum de la maison Bobbi Brown et c'est le best-seller, c'est le plus connu. Il s'agit de Beach Concentration Haute Parfum. J'ai adoré cette fragrance-ci et je voulais sélectionner parce que pour moi c'est typiquement la fragrance qui vous rappelle la mer, mais plutôt le côté marin et salé plutôt que le côté crème solaire, noix de coco et compagnie. Beach de Bobbi Brown, Concentration Haute Parfum. C'est un floral aquatique qui a été lancé en 2009 et qui comprend dans sa composition du jasmin, de la mandarine, de l'eau de mer et du sable. Le jasmin y est travaillé de façon vraiment très 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 spéciale, de façon plutôt aquatique et personnellement je trouve ça très agréable. Alors le jasmin en règle générale j'aime beaucoup, mais uniquement quand c'est dans une composition, le véritable jasmin pur, la fleur blanche par excellence. Pour le moment, je vous avoue que j'ai encore du mal, mais petit à petit, je tends à essayer de découvrir un petit peu plus et à m'apprivoiser cette fleur blanche justement. Ici, je trouve que dans la version de Bobbi Brown dans Beach, le jasmin vous le sentez très clairement, mais il est encore suffisamment travaillé que pour me permettre d'apprécier cette fragrance-ci justement. Vous n'êtes pas du tout sur un parfum fruité solaire, noix de coco, crème solaire et compagnie. Non, là vous êtes vraiment sur un véritable parti pris qui change vraiment beaucoup par rapport au traditionnel parfum summer. Mais justement, je trouve ça très agréable et c'est vraiment hyper sophistiqué. Ça fait tout de suite beaucoup plus classe, il faut bien l'avouer. C'est une fragrance qui est travaillée de façon assez inattendue. Bobbi Brown a véritablement son parti pris en matière de parfum. Elle a un style qui est vraiment unique, elle a tendance à aimer vraiment les choses plutôt assez simples, qui correspondent à la vie de tous les jours, loin du paraître, loin du superficiel. Elle n'aime pas du tout les choses qui font artificiel. Les parfums de la collection vous rappellent tout de suite des senteurs assez clés, des moments assez typiques, ça vous renvoie directement un souvenir et une idée assez précise. Là par exemple vous avez Beach. Mais vous avez également un autre parfum qui s'appelle Party, vous avez Bath, etc. J'avoue que question tendance et plutôt parfum moderne qui se fait à l'heure actuelle, Bobbi Brown est quand même assez à contre-courant. Justement, si vous connaissez en tant que Bobbi Brown, sachez qu'à la base, c'est une make-up artiste de renommée absolument mondiale qui met vraiment l'accent sur une mise en beauté naturelle et pas du tout compliquée, contrairement à ce que la plupart des youtubeuses beauté aiment nous montrer à l'heure actuelle sur YouTube. Bobbi Brown, elle prend plutôt le parti de ne pas vouloir camoufler ce qu'on peut considérer comme des défauts, mais plutôt d'essayer de mettre en avant ce qui est beau et présent naturellement chez nous. Et de cette façon-là, ça permet justement à ce qu'on voit plus ce qui est
beau chez la personne et donc on a tendance à moins regarder les défauts entre guillemets. Toujours frais, c'est lumineux, elle aime particulièrement mettre la personne en valeur. Tout ce qui est everyday look, et sachez que les parfums, bah ils suivent en fait cette même idée, cette même logique. C'est élégant mais sans en faire des tonnes et au final, bah, j'aime beaucoup. Alors sachez qu'à l'heure actuelle, Bobbi Brown, elle est beaucoup plus portée sur le lifestyle. Elle a arrêté de faire partie de la marque qui porte son nom et elle a créé une autre marque rien qu'à elle. Elle est vraiment dans cette optique de savoir bien vieillir, mais tout en assumant son âge. Prendre soin de soi, mais sans culpabiliser par rapport au fait que ben, on vieillit. Je la trouve extrêmement positive et je trouve que ses fragrances sont toutes à l'image de son maquillage. C'est vraiment fait pour prendre soin de soi, pour s'accepter, pour se faire plaisir sans se prendre la tête. Après moi, ce sont véritablement des parfums qui font du bien. C'est vraiment une personne qui a beaucoup de goût et ben, je trouve que porter une de ses fragrances, c'est ben, se distinguer. Mais sans se prendre la tête et vous êtes sûr que vous n'allez jamais faire de faux pas avec. Je trouve que c'est vraiment très élégant, mais de la façon la plus simple qui soit. Alors malheureusement, le gros bémol, c'est que ben, maintenant que la marque fait partie du groupe Estée Lauder depuis plusieurs années maintenant, ben, ils ont eu tendance à arrêter la gamme de parfums. Et donc je pense qu'à l'heure actuelle, vous pouvez encore retrouver Beach sur le site internet et en boutique Bobbi Brown, pas en corner par contre. Donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir mettre la main dessus, mais sur internet normalement vous devrez pouvoir le trouver relativement facilement. Par contre toutes les autres eaux de parfum de la gamme, je pense qu'elles ont été arrêtées très sincèrement, je pense pas que vous puissiez mettre la main dessus. Vous ne pouvez à l'heure actuelle acheter uniquement la fragrance Beach. Changeons complètement de registre, je vais vous parler de Fico di Amalfi. Acqua di Parma, c'est une concentration aux toilettes. Je l'ai choisie parce que d'après moi, Acqua di Parma, c'est véritablement une maison qui est tout à fait appropriée pour l'été. C'est une marque italienne qui est chantante, qui est joyeuse, qui est facile à porter, qui est vraiment spécialisée dans les colognes. Ce sont des parfums qui, en règle générale, sont plutôt frais et espéridés. C'est classe, c'est chic, c'est intemporel, c'est facile à porter, c'est pas prise de tête. Sachez que la gamme Blue Méditerranée dont fait partie cette fragrance-ci, c'est typiquement la gamme vers laquelle vous pouvez vous jeter en été sans faire de faux pas. Très clairement, c'est la gamme dédiée. Que dit Amalfi d'Acqua di Parma, concentration aux toilettes? C'est un floral fruité qui comprend dans sa composition du pamplemousse, de la bergamote, citron, jasmin et nectar de figue. Le flacon rappelle le bleu de la mer et c'est du fait main. Acqua di Parma est très réputé pour son côté artisanal. Porter une fragrance Acqua di Parma, c'est adopter un style de vie et l'art du savoir-faire à l'italienne. C'est élégant, c'est empli de valeurs authentiques. Bien qu'Acqua di Parma soit à la base une maison destinée aux hommes, vu son expertise en matière de costumes, de produits pour la barbe et de produits pour se raser, Fico di Amalfi, c'est réellement une fragrance mixte. Vous êtes au bord de la Méditerranée, vous êtes sur une figue sucrée qui est plutôt quand même pas mal mise en avant. Le côté lacté de la figue est plutôt mis en retrait. Pour pouvoir laisser transparaître dans la fragrance des notes qui sont plutôt iodées et presque salées, c'est vraiment une très très belle création. Si vous aimez la figue, très très bon choix. Si vous n'êtes pas super super fan de la figue, sachez que je trouve que c'est une figue qui est quand même encore assez facile à porter, qui n'est pas trop entêtante. Elle est vraiment travaillée de façon assez juste d'après moi, donc ben, ça vaut la peine d'aller quand même découvrir cette fragrance-ci en parfumerie. Ensuite, l'un des rares flanqueurs qui a réussi à vraiment faire battre mon cœur, on va parler de Eau des Merveilles Bleues d'Hermès, concentration aux toilettes. Pour une concentration aux toilettes, je dirais que la tenue est quand même sympa. Je ne dis pas que c'est un parfum qui projette énormément, mais disons que il reste quand même assez bien sur vous. Vous pouvez le sentir sur vous quand même pendant plusieurs heures. Eau des Merveilles Bleues d'Hermès, concentration aux toilettes. C'est un aromatique aquatique qui a été lancé en 2016 et qui a été créé par Christine Nagel. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est un souvenir d'enfance de Christine, une journée passée à la mer, les galets mouillés qui ont une couleur particulière, ainsi que le goût salé presque minéral, qui lui ont inspiré cette fragrance. C'est un boisé qui est aussi minéral, il est balayé par les embruns, le patchouli y apporte plus de rondeur. Là ici, vous êtes vraiment sur une orange pétillante et pleine de joie de vivre, caractéristique chez Hermès, en particulier dans la gamme Eau des Merveilles. Là ici, vous êtes sur une orange qui va prendre un petit bain de soleil dans l'eau salée de la mer. C'est tellement réussi et tellement facile à porter.
frais mais beaucoup plus charismatique qu'un Hespéridé lambda. Tant fan des notes salées, des notes minérales, bien évidemment je ne pouvais que succomber à cette fragrance-ci. Le flacon, il est juste magnifique, il vous renvoie au monde de l'insouciance, des rêves. Vous avez une chouette petite bascule qui vous dorlote également. Gros coup de cœur que je me devais absolument de mentionner dans cette vidéo-ci, c'est Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone London. C'est un cologne, alors sachez que la tenue est absolument désastreuse, soyons honnêtes. Mais j'aime tellement la senteur que je me devais absolument de vous en parler, c'est obligé. C'est un parfum qui sent vraiment l'iode, l'écume des vagues, l'embrun salé, la fraîcheur du vent et de la mer. Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone London, concentration de cologne. C'est un parfum qui est enveloppant, qui représente la fraîcheur salée et fougueuse. Il est vraiment inspiré d'une escapade sur la falaise au bord de la mer, balayée par les vents. Cet aromatique a été créé lui aussi par Christine Nagel en 2014. Dans la composition, vous retrouvez des graines d'ambrette, du sel de mer et de la sauge. Le flacon, il est à l'image de Jo Malone London, hein, donc tout en simplicité mais très élégant. C'est vraiment le parfum minéral des falaises. Ça fait un petit peu du bien quand même de sortir de la tendance des parfums sucre, fruité, crème solaire et compagnie. Là ici, vous vous dirigez vers quelque chose qui est quand même un petit peu plus boisé, un petit peu plus sec. Et qui reste quand même très facile à porter. C'est léger, c'est frais, c'est original, mais ça reste facile à combiner. Vous êtes sur du Jo Malone London, c'est vraiment le concept de la maison. Ça sort un petit peu des parfums caractéristiques de l'été, mais c'est une très chouette option si vous aimez le chic à l'anglaise, donc quelque chose de plutôt intemporel, simple, de vraiment très juste. Pour moi, c'est la perfection, sincèrement. C'est une valeur sûre et sachez que Wood Sage and Sea Salt, c'est un best-seller dans la maison Jo Malone et sincèrement je comprends pourquoi. Enfin, dernière fragrance que je voulais vous présenter dans cette vidéo aussi, c'est clairement pas la fragrance originale qui vous fera vous distinguer, mais si vous voulez opter pour un parfum vraiment typique vacances, très clairement c'est un très bon choix. Ici, il s'agit de Tourab al-Dahab d'Ard al-Zafaran, c'est une concentration haut de parfum. C'est le parfum fruité typique des vacances. Si vous cherchez un parfum qui est vraiment dans la tendance terracotta de Guerlain, vous savez, un petit peu crémeux, un petit peu noix de coco avec des odeurs un petit peu savonneuses, dirigez-vous vers celui-ci très clairement. Tourab al-Dahab d'Ard al-Zafaran, c'est un floral fruité qui comprend dans sa composition des fleurs blanches, citron vert, lait de coco, vanille, noix de muscade et musc. C'est le parfum fruité typique des vacances. Les marques arabes sont très douées pour proposer des parfums addictifs de très bonne qualité et à un prix très bon marché. Donc n'hésitez pas à découvrir Ard al-Zafaran plus en profondeur. Il est très gourmand, il est vraiment très porté sur la noix de coco, donc il faut vraiment aimer ce fruit. Ça fait même presque pina colada, cocktail à gogo. Il pourrait même presque être carrément confondu avec un parfum de la marque Escada. C'est typiquement le genre de parfum que vous allez mettre à une pool party en sirotant un cocktail. Bref. Un très très bon basique pour l'été, avec ça vous êtes sûr que vous êtes complètement dans le thème, donc pas un très bon choix à sélectionner également. Sur ce, j'ai terminé mon top 10 de parfums à porter pour l'été. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu, que ça vous aura permis d'avoir également quelques petites idées pour vous faire plaisir cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos choix à vous, quels sont les parfums que vous avez décidé de porter cet été, ça m'intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.